nos activités en économie circulaire au sein de Ekopolis. Ekopolis est une association pour la réinsertion sociale. On est le leader de réinsertion pour une activité économique en France. On est 2014, en 2023, on a accompagné plus de 1500 personnes. On se retrouve dans cette partie de suivi de revalorisation du bois et du verre. On est en montant nos ateliers et en logistique, on peut faire des activités de réutilisation du bois et également de permettre de menuiser pour que ça aussi puisse, pour que les gens en fait, puissent être recyclés dans nos partenariats avec ces bois blancs. Pourquoi nous avons noté ces ateliers? C'est avec ce constat qu'il y a plus de 600 000 de dossiers de mobilier qui sont produits en France chaque année et que 95% des décors enfants de sont aujourd'hui non valorisés. Sur ce dossier constat, on a donc mené le projet qui s'appelle le projet R4, qui reprend les trois verts piliers de l'économie circulaire qui sont l'emploi, la réutilisation et le recyclage. Et on a rajouté le R de l'IRS, qui est du coup la réinsertion. On va du coup créer des activités pour les salariés. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite étape. Comment, pour que des temps, vous pouvez valoriser le puissant et après, on sera en focus sur nous, notre fait, notre équilibre et nos organisations du bois. La première étape, c'est la caractérisation des réseaux. C'est important d'offrir un maximum d'informations, des fiches techniques, des photos pour que les repreneurs puissent évaluer si le réseau correspond à son cahier de charge. Donc, par exemple, pour le bois, il faut s'espérer d'épaisseur de 18 à 25 mm. Autrement, ça fait un objet qui est trop lourd. Pareil pour le verre, il ne faut pas que ce soit trop plombé ni orienté. Deuxième important, c'est la localisation du gisement. Toujours privilégier la proximité avec le repreneur. Donc, pour ça, je vous recommande de vous rapprocher soit des éco-organismes, soit des éléments du repreneur pour que vous puissiez évaluer et identifier dans le meilleur repreneur pour votre gisement. Le verre est un récupère en Ile-de-France. C'est la récupération. C'est l'option plutôt aux anticiper la récupération en amont de votre chantier. Ça va vous aider à donner un pont sur votre chantier, ce qui permet à un repreneur de se faire un petit peu plus de temps pour récupérer. Mais ça va prendre une semaine pour se coordonner. Troisième point, c'est la consommation avec le repreneur. Selon la typologie matérielle, parfois il y a la reprise gratuite, le respect dans les meilleurs cas, mais parfois ça peut également engendrer des coûts. Notamment les travaux, le transport, le traitement et puis l'achat du tampon, du détenteur. Donc, c'est des informations qui sont importantes de savoir pour qu'il puisse en cause pour un traitement. Et le cinquième étape importante, c'est le conditionnement. Je vous conseille de vous rapprocher de votre projet pour savoir comment il souhaite récupérer précisément pour que vous puissiez faire des meilleures façons que vous n'avez pas ou que vous n'ayez pas à reconditionner. Donc, les travaux ont besoin d'un conditionnement sur ce que vous avez besoin pour récupérer sur le transport. Si vous respectez ces 5 étapes, il faut prendre en compte ce que j'ai le défi de France sur l'Ile-de-France et que nos premiers sont face à des centres d'unités où en fait on a besoin de ressources en vivant avec un peu de réalisation. Donc on ne peut pas tout leur dire oui, il y a des gens qui peuvent être intéressants, on a une difficulté. Pour vous donner un exemple, le déménagement pour la déménagement pour la société générale, on a procédé 5 étapes avec la caractérisation. L'autorisation, modèle de récupération, qualité des frais et conditionnement, et ça permet d'avoir un résultat de 200 plateaux de bureaux revalorisés qui ont pu être du coup traités dans notre état organisé. Au niveau de l'exemple, on peut travailler avec différents bureaux, et si ces plateaux ont été revalorisés en tant que projet observé, on peut les travailler qui ont réalisé cette prestation ou 60% des plateaux de bureaux de la société générale. Ce qui est traité, c'est par une question beaucoup fermée. Donc, on est ici avec l'Académie fraternelle, on a récupéré les panneaux de l'ISBA qui avaient été mis en place pour le projet de rénovation. Donc, on a récupéré ces panneaux de l'ISBA, on les a transformés en bureaux et aujourd'hui, ils vont être réintégrés à l'Académie fraternelle. Donc, là, on est vraiment beaucoup fermé. Le dossier du client est devenu finalement sans produit. Alors, la première chose qu'on trouve ici, c'est les clients reconditionnés. On fait une liste et on récupère du coup le produit pour faire une demande reconditionnée. Donc, c'est un produit qu'on vient aussi auprès des valeurs. Et on va aussi faire un petit point sur cette activité avec une entreprise de l'alimentation et qui est vraiment une activité qui est un excellent de support de travail pour nos salariés et qui est vraiment notre compétence. Et c'est la fierté d'avoir construit de A à Z un mobilier et de pas simplement faire partie de la chaîne. Et ça permet de sensibiliser les enjeux
du coup,